Au Québec, euh, serre la vis aux entreprises euh, qui vont devoir faire plus de place aux Français dans l'affichage, de même que dans l'étiquetage. C'est une nouvelle mesure qui fait partie du projet de loi 96 sur la protection du français. Andy, le ministre Jean-François Robert se je dis convaincu qu'un changement est nécessaire. Absolument. Et ça s'inscrit donc dans la loi 14, anciennement, pour que les gens comprennent, et vous avez raison, vous faites bien le souligner, Michel, anciennement, le projet de loi 96. Québec vient donc... Serrer la vis aux entreprises. Vous voyez des images de mon entretien avec le ministre de la langue française, Jean-François Roberge. Euh, Michel, c'est simple. Le gouvernement veut s'assurer de la nette prédominance du français dans l'affichage. D'ici donc le 1er juin 2025, pour reprendre les mots de Jean-François Roberge, là, qui nous a accordé une entrevue un peu plus tôt ce matin, il, il devrait y avoir deux fois plus de français que toute autre langue sur les enseignes. Selon le ministre Michel, c'est facile actuellement pour les entreprises de s'y perdre actuellement. Euh, il faut simplifier de ça pour simplifier du même coup les règles. C'est plus que nécessaire d'intervenir, dit Jean-François Roberge, avec le déclin du français. Il nous disait ce matin, Michel, que depuis cinq ans, il y a une augmentation de 155 du nombre de plaintes à l'Office québécois de la langue française. En ce qui a trait à l'étiquetage, le français doit être, devra être bien visible sur les produits avec l'ajout de descriptifs. Comprenons-nous bien, l'anglais ne sera pas interdit, Michel. Par contre, logos, slogans, descriptifs, comme je disais, pourront être... Ajoutez en français. On va entendre le ministre là-dessus. Comme tous les Québécois, quand je vois euh, trop d'anglais ou d'une autre langue euh, dans l'affichage, oui, ça me dérange. Ça Je me dis, crime, je ne suis pas à Boston, je ne suis pas à Atlanta, je ne suis pas à Londres, je suis à Montréal, je suis à Québec, je suis à Brassard, je suis à, à Trois-Rivières. Je suis dans le seul État francophone d'Amérique du Nord. Il faut que ça apparaisse. Comment Québec veut-il appliquer la mesure, là, Andy? On vous a préparé des tableaux. Regardez quelques exemples, Michel. Vous allez mieux saisir à la maison. Vous voyez la photo de gauche, ça ne sera pas acceptable. Vêtements Cool Kids, par exemple. Vous voyez le mot vêtements Cool Kids aussi. Euh, là, euh, ce qui sera acceptable, vous voyez, le mot vêtements euh, est beaucoup plus gros. Deuxième exemple, euh, le même commerce. On prend le même commerce. On vient ajouter le mot vêtement. Il y a le slogan qui est en, en dessous aussi. Alors, euh, il, y a, il y a cette différence-là. Troisième exemple, vous voyez vêtements costless. On va venir ajouter, par exemple, le mot chaussure les mots mode pour tous et ça, ça sera correct. Et finalement, le dernier exemple en ce qui a trait à l'étiquetage. Parfois, vous voyez sur, sur certains produits, c'est uniquement euh, écrit en anglais. Là, on va venir ajouter un descriptif en français. Jean-François Robert, à nouveau. Je pense pas qu'au Québec, on a tant de personnes là, qui, euh, qui veulent défier les lois. Je pense que des gens parfois pas. sont d'accord, des fois sont en désaccord, mais des gens vraiment qui seraient délinquants puis qui diraient ben moi, je, je, je n'applique pas la loi. Je ne pense pas qu'il y, qu y en aurait tant que ça. Et s'il y en a, bien là, malheureusement, le Fisc québécois de langue française va devoir passer de son rôle d'accompagnateur à son rôle d'inspecteur. Parce que la loi n'est pas optionnelle. La loi doit être appliquée pour tous les commerces, pour toutes les entreprises, dans toutes les régions. Alors voilà, Michel, on va venir informer, interpeller. Quelqu'un qui ne se conforme pas, amende aussi des amendes salées. J'y reviendrai un peu plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup, Annie.